suis à ce point qui est, mais quand même je sens quelque chose. Il s'annonce et il avance. Et voilà le révérend le révérend père, l'accompagnateur, l'homme énergique, l'homme énergétique, l'homme étirable. Voici le livre. Allez, que ce sourire est très élu. C'est notre frère, notre ami, notre accompagnateur, notre papa, oui, notre accompagnateur de la communauté, ici même, haïtienne, de la paroisse de Saint-Louis. Merci, Père Messie. Maintenant, mesdames, mesdames, campez. Et nous allons inviter lui-même Lichita en premier et ensuite Navachita. Révérend Père, le prince par excellence. Asseyez-vous. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. En tête. Et je dis, qui ça va dire? Vraiment, la coordonnatrice dans ces mots de bienvenue, la coordonnatrice, celle qui est derrière tout ça, celle qui n'a jamais dormi, celle qui pense. Celle qui planifie, celle qui organise, et celle aussi qui complote toujours. Elle s'appelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, bien-aimés, Martine Lucès. Jean-Jacques, Révérend Père Cyriac Siné, Révérend Père Charlène Vendredi, la Révérende Sœur Cécilia Duchel, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Une circonstance particulière nous réunit cet après-midi. Il s'agit de la célébration de l'anniversaire de naissance du révérend Père Nestlé Jean-Jacques. Père Nestlé, au nom du staff et des fidèles de la communauté haïtienne de Sainte-Brigitte, je vous formule des vœux de bonne santé, de succès dans le ministère de dévotion et de consécration à la cause du Seigneur. À dire vrai, un anniversaire fournit toujours l'occasion
de réaliser un bilan. Cependant, j'avoue mon incompétence à pouvoir en réaliser un. Au risque de heurter la modestie et l'humilité de ce pasteur que nous admirons tous. La Bible suggère de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. C'est le cas cet après-midi. C'est l'occasion pour nous de rire à gorge déployée autour de ce simple menu que nous avons préparé en guise de témoignage, de solidarité et surtout d'affection à l'endroit du révérend Père Lessé. Que toute la communauté haïtienne de Long Island se réjouisse dans la paix et l'harmonie parce que l'un de ses leaders, en l'occurrence le Père Lessé, est l'objet d'une attention spéciale. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, qui avez répondu à ce rendez-vous. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite à vous mettre debout et à lever vos verres à la santé du révérend Père Lessé Jean-Jacques. Merci et bon appétit. Alors, si nous devons y'a mandat dit salut, comme nous sommes à essayer d'en dire santé, prospérité, révérend Père, n'excusons pas. Nous mettons chita. Maïsou. Donc moi c'est Marie Sonia Saint-Rose Bienville, c'est moi-même qui accompagnatrice Charlie, qui c'est Solidarité Haïtienne-Américaine de Long Island, qui c'est un groupe qui là pour promouvoir la culture haïtienne dans le quartier Long Island. Alors nous-mêmes, nous avons trouvé que c'était important pour aujourd'hui pour célébrer avec Pénisli, qui c'est un bon ami. On va te garder Pénisli. Qui sont vos amis et chaque heure de nous avons parlé avec Pénisli, Cécile par rapport pour parler. Alors nous-mêmes tous, nous devons, dans l'occasion ça, nous voulons montrer, je nous apprécie, je nous remercie, je nous apprécie tout ça lié pour nous, j'en ai toujours encouragé nous. Alors c'est façon par nous pour nous dire que nous aimons. Alors tenez bien par on a chanté ça et nous espérons que tout ça nous dit à réaliser pour vous. Ok, merci. Nous n'avons pas dit bravo Chicha, et vous avez payé taxe au lit. Maestro Jean-Paul. Oh,
oh, oh, oh, oh. Ah, ça gagne? Où dis-moi, où m'a des bis, où m'a des bis, où m'a des bis, où m'a des bis. Bon, m'a dit non, bagaille. Bon, nous pas capable de gommer, ça m'a pas des bis toujours, non? On demande, boss. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on demande? Boss. Oh, il y a ces boss, le bagaille. Là, tu nous gagnes un boss dans deux, il va pas aller là, nous tapons encore une chose. Alors. Thank you.